Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est la bonne. On reprend vraiment du service avec Safou. Alors je sais, je vous ai dit ça la dernière fois, mais cette fois-ci, on a une balade de prévue avec Clémence et Toby. Donc, je peux vous assurer qu'on va partir en balade. On va aller chercher le petit cheval et après, on va partir tranquillement. Et ce soir, ça sera au tour de Kantoum qui aura un cours de travail à pied. Voilà, je vous explique un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi, comment, avec qui. Vous verrez ça après. Mais là, on va aller chercher Saphir. Nous avons besoin d'un licol avec une petite pomme, bien sûr. Je pense qu'ils sont derrière le camion. Ah oui. Enfin, oui. Ok. C'est un camion clôture, je vous l'ai déjà dit. Coucou! Ça va? Ah, il y a même le chat. Tout le monde est là. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Moi, je parle le poney, le chien, le chat, je parle pas trop encore. Bon, déjà, il a vu que j'avais le licol, il vient. Contrairement à hier, où quand il a vu le licol, il s'est barré. Ça va? Ouais, on va aller en balade, vraiment, hein. Allez, une demi-pomme pour le plus beau. Et une demi-pomme pour le deuxième plus beau. Voilà. Bon, ça va. Il s'est bien laissé attraper. Il a mis son licol tout seul. Donc, très bien. Autant hier, il n'avait pas du tout envie. Donc, je ne l'ai pas forcé. Bon, aujourd'hui, je l'aurais forcé un petit peu plus s'il n'avait pas voulu. Parce qu'on a une petite balade de prévu. Et puis bon, la rentrée, il faut bien que ça se fasse. Pour tout le monde. Pour vous, pour moi, pour lui, pour tout le monde. Et il vaut mieux faire une rentrée en regardant la télé qu'une rentrée en travaillant en direct. T'as entendu, Saf? Donc aujourd'hui, on va regarder la télé. Enfin, on va aller en balade, quoi. Ça va être chouette. Mais c'est vrai que lui, il le sait pas d'avance. Il sait pas qu'est-ce qui va se tramer. Moi, je sais. Et je sais que ça va être cool et que ça va lui plaire. Donc sois content. Puis en plus, tu vas revoir un camarade. Tu vas avoir Toby et tu vas pouvoir dire que t'es champion et tout et tout et tout. Genre, c'est un retour de vacances au top quand même. Et que t'as fait de la balnéothérapie. Tu vas en avoir des choses à lui raconter, hein. C'est l'heure de boire. C'est Piou qui a commencé. Par contre, dépêche-toi, on est à la queue leu-leu là. Et nous, on a une rentrée à faire, malgré que ça ne soit pas super content. T'as soif, Mimi? Oh, cette tête. Après, moi, je vais faire la même tête le jour où faut que je retourne bosser, hein. Je comprends. Ceci dit, toi aussi, tu rentres à l'école tout à l'heure, Kantoum. Enfin, ce soir. Et ouais, c'est la pré-rentrée. Bon, ça, considère que Kantoum est un peu trop long. Un petit coup de brosse sur le minous. Il y a encore des restes d'huile de massage, mon chat. Vu. Allez, ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu. C'est ironique, bien sûr. Allez. Ça, on va changer. Oh. Allez, il y a Toby qui arrive. Ah ben d'ailleurs, je vais t'attacher vu que vous allez être deux. Quand ils sont tout seuls, je les laisse détacher. Mais quand ils sont à deux, j'attache. Pour pas qu'on embête. Ouais. Regardez qui on a retrouvé. La grande beauté. On te remercie parce que toi t'as pas chié par contre. Allez. Vous, on vous remercie pas. Hein. Non mais je pense sur le cas. Le premier jour, dans la neige, je râlais parce que...
Bon, vu qu'on a deux vieux, nous on galope avant de trotter. Voilà. Ah, on aurait pu sauter, mais il y a cette grosse branche en plein milieu là qui monte. C'est dommage. Par contre, on en parle qu'on se croit en automne alors qu'on est mi-août. Là, c'est abusé. Hein. En fait, on va aller. On va sauter à gauche. Wouhou! Mais non, on te met pas dans les fesses. T'as un bon petit cheval de club. Comme ça, il est en pilotage automatique, il réfléchit pas. Ouh. Ah, merci, merci, les pics. Oh là là, non mais alors ici, souvenez-vous, normalement, il y a de l'eau juste en dessous là. Waouh, là c'est dingue, hein. Ça fait bizarre. Hein. En fait, normalement, là, on a les pieds dans l'eau. Oh, ça, oui, ça fait bizarre. Là, il y a des mouches plates. Ah, il y en a un qui est déjà à l'eau, par contre. Allez, Mimi. Là, c'est vrai que ça descend d'un coup, du coup. Arrête de te couler à ta fille. Bah oui, on fait encore un peu le balnéo, nous. Attends, t'es le roi de l'eau, maintenant. Enfin, tu l'étais déjà avant, mais maintenant encore plus. Et l'amour à la plage. Ça va, Bibi? On trempe les balls? Normalement, ce que je fais, moi, traverser au galop là-bas, on peut plus. Hein. Non, mais toujours plus. Même Toby, il fait pas alors qu'il a hauteur. Ah bah si, ça y est. On va pas rester là à bouffer des feuilles quand même. Vas-y, la dernière là au bout. C'est comme la queue à Mickey. J'avoue, il est pas très doué. Hein. Il l'a eu quand même. Oui, au bout de 10 minutes. T'aurais pas gagné des tours de manège gratuit, toi. Hein. Non. Toi, oui, par contre, tu aurais. On y va là, au lieu de faire le chameau. Parce que ça, il est fort. Hein. C'est fou comment ça a changé de couleur là. Ah non, hein. Mais on a pris du jus là en quelques instants, c'est le fait d'avoir mouillé les pattes ça. On marcherait presque aussi vite que Toby. Est-ce qu'on est sur le chemin du retour? Aussi. Et que vu que les vacances c'est la vie. C'était un tronc. Bon bah on l'a sauté à l'aller, on est obligé de le re-sauter au retour. Hein. Tu vas vraiment le sauter au tronc? Non, galop. Ça, on sait pas sauter au trop. Non mais doucement. Oh purée. Et voilà. On est de retour à la voiture. Ah, aujourd'hui, il est pas sous le vent. Mais comme quand tout hier, il veut pas descendre. Allez Mimi, on va à la douche. Glu, faut qu'on parle, faut vraiment qu'on parle toi et moi. Oui, j'arrive. Je suis pas contente, il fait pas son travail. Il y a des souris qui m'ont bouffé ça et du coup il y en a partout, 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 par terre. Donc il va falloir que je remette dans le congèle. Je mettais plus parce que ça faisait des petites bêtes, mais là il y a plus le choix. À quoi ça sert d'avoir un chat au pré s'il ne peut pas nous bouffer les souris? Regardez qui a fait le cochon encore. Saf, franchement, tu seras propre un jour. Hein? C'est la vie d'être sale, c'est ça? J'ai un petit doute sur ce que je viens de dire, mais soit. Vous, on se revoit ce soir. On va faire des petites choses. Ouais, ouais, ouais. Et oui. C'est la rentrée pour tout le monde. Ça pour moi. Encore des vacances. Allez, la dernière pomme. Comme d'hab, on fait croquer par Saf. Hop. Et le poney, l'autre moitié.
Bon, on se revoit tout à l'heure. Toi pour des bisous et toi pour un peu de travail. Je vous retrouve chez moi, je suis en tenue de civile, plus de poney. Mais là, je vais aller faire des petits magasins avec une pote. Et on se retrouve ce soir aux chevaux pour le cours de travailler à pied avec Antoum. Je vous expliquerai un petit peu plus après. D'abord, je vais faire les boutiques. On se retrouve quelques heures plus tard, puisque là, je suis de nouveau arrivée au pré. Et je vais chercher Quantum, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un cours de travail à pied. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, voire quelques mois. J'ai envie d'approfondir le travail à pied avec Quantum. Et j'avoue que moi, toute seule, je suis pas assez rigoureuse et j'en fais pas assez. Donc, je me suis dit que ça serait bien de prendre des cours. Et j'ai fait une petite demande sur Instagram et sur Facebook en me donnant les professionnels qui font ça à proximité de chez moi. J'en ai sélectionné une qui s'appelle Agathe. Et du coup, on va tester ça ce soir. Et voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne. Et bah, du coup, je vais chercher le poney. Voilà, le but, c'est simplement de faire des choses avec le poney, d'approfondir nos acquis et de poser d'autres bases assez solides. Parce que voilà, moi, je suis personne et j'ai jamais pris de cours, etc. Donc, ce qui sait faire, c'est moi au feeling. Mais voilà, j'aimerais faire un peu plus de choses, on va dire. Donc, on va tester ça. Je vous en parlerai après. Je sais pas si je vais pouvoir filmer, je vais demander à Agathe si ça la dérange ou pas. Et puis voilà, on se retrouve dans tous les cas après pour que je fasse un petit débrief de tout ça. Le poney est récupéré. Je vais lui passer un petit coup de brosse avant qu'Agathe n'arrive. Hein? T'es content? On va faire des choses. Vous avez vu, il a un bouton là. Pas ce que c'est. Pas ce que c'est ça encore. Vous allez me gronder, j'ai strictement rien filmé. J'ai même pas posé à Agathe la question si je pouvais filmer, parce qu'on a beaucoup parlé, beaucoup débriefé. On a fait un peu travail à pied forcément pour que je montre à Agathe où est-ce que j'en étais dans le travail à pied, mes bases, les bases de Quantum, etc. Et du coup, j'ai totalement oublié de poser la caméra et de filmer. Donc vous allez juste avoir ce que je vous raconte et faudra se contenter de ça. Désolée. Bon, je vous ai posé là pour qu'on débriefe un petit peu. Donc on a beaucoup parlé, encore une fois comme je vous l'ai dit, pour que j'explique à Agathe ce que savait faire Quantum, où est-ce qu'on en était, etc. Et après, je lui ai montré quelques petites choses. Il en ressort que je mets beaucoup trop de pression et ça je le sais. Tout de suite je vais être trop vive, trop forte dans mes demandes et il faut que je me calme. En gros c'est ça, que je me calme et que doucement, enfin on commence par des petites choses, etc. Et petit à petit on amplifie la pression si jamais ça ne répond pas. Et voilà, c'est le gros truc qui en ressort. On a bossé le fait que Quantum reste à l'épaule notamment, puis le reculer à distance. Et ça va être un petit peu ce à quoi je vais devoir travailler dans les prochaines semaines, puisque là Agathe elle revient début septembre et voilà, je dois lui envoyer des petites vidéos quand je fais du travail. Alors pas faire des longues séances, ça ne sert à rien, mais travailler sur des courtes séances de 5-10 minutes, parce que Quantum est assez réceptif, elle l'a trouvé très mignon. Mais maintenant c'est à moi de travailler, parce que comme je vous dis, je mets trop de pression d'un coup, c'est trop vite, allez on y va, trop de pression. Par exemple, pour le reculer très vite, je fais ça alors que je devrais déjà faire un petit truc comme ça, puis ça répond pas, augmenter, etc. Et du coup, c'est pas plus mal que quelqu'un me le dise et soit derrière moi en me disant « Waouh, calme !» Le principal exercice qu'on va travailler, parce qu'on reprend par les bases, bien évidemment, hein, demain, le cheval va pas se cabrer, de toute façon, j'ai pas envie qu'il se cabre, mais j'exagère, mais demain, vous verrez pas Quantum faire le pas espagnol, etc. On reprend les bases, on va travailler les bases, et à partir des bases, on fera des petites choses. Donc là, voilà, ce qu'on doit travailler, c'est le stick to me au pas et au trot. Puis, donc avec la longe en premier temps, on ne va pas le remettre en liberté là tout de suite. On ne va pas brûler les étapes. Et voilà, le reculer et ça sera déjà bien. Donc, dès demain, il faut que je me bouge les fesses pour travailler tout ça. Mais c'était très intéressant, c'était une chouette rencontre. Agathe et Tanka
Son cheval, je l'ai suivi il y a très longtemps sur les réseaux et c'est vrai que j'avais perdu un peu de vue tout ça. Et là, en posant la question sur Instagram des personnes en Gironde qui faisaient du travail à pied, elle m'a envoyé un message, etc. Et du coup, voilà, ça se fera avec Agathe et je suis très contente parce que elle est très sympa. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir peaufiner tout ça. Donc voilà, le Cantum rentre en école maternelle de travail à pied. Le but, c'est que tout soit fait dans la finesse, tranquillement, sans mettre trop de pression à droite à gauche. La suite au prochain épisode. Promis, la prochaine fois, je demanderai à Agathe si on peut filmer. J'ai pas du tout pensé à lui poser la question si je pouvais vous mettre avec nous. Donc pas d'image, mais c'est pas grave. Peut-être que j'incorporerai des images que je vais faire moi demain, que je dois envoyer à Agathe dans cette vidéo en suivant. C'est une possibilité. On va aller voir les poneys pour leur faire un bisou et puis voilà. Vous voulez un petit bonbon? Il y a Quantum qui est là-bas. Un petit bonbon. J'en ai plein. Tiens, mon chat. C'est un petit bonbon à la banane. Quantum! Ah, c'est bien, il arrive. Viens, mon chat. Viens manger des petits bonbons. Oh, ça fout en race. Est-ce que tu peux lui en laisser un peu? Il en reste un petit qui est tombé. Tiens, mon chat. On est le lendemain des images de tout à l'heure et je lui ai essayé du coup ce frontal sur le filet. Voilà ce que ça donne. Je viens de lui donner un petit bonbon donc il est en train de mâchouiller. Est-ce que vous validez ou est-ce que vous validez pas? En tout cas, il brille de mille feux. On voit pas avec son gros toupet là. Mais oui, je sais que tu veux du bonbon. C'est la dame du montage qui se rend compte que, encore une fois, je n'ai pas fini la vidéo. Ça m'arrive de temps en temps et en fait, je zappe, je fais d'autres choses et j'oublie de terminer. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. La dame du futur du montage vous fait des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.